Chapitre 4. La voix de l'or. Ces derniers temps, j'ai compris pourquoi mes confrères m'en viennent. Alors que eux ne peuvent que très peu s'occuper de leur terre, je suis en permanence en lien avec leurs gens. Je suis sûrement ce qui se rapproche le plus du rôle d'intendant global. Je gère les arrivées de nouveaux paysans et les autres nobles. Je vais organiser presque toutes les villes, afin que ça corresponde le plus aux volontés de notre duc, Albéric, seigneur de Bordelot, et du sud de toute la Lustrie. Régone, notre camp de base, est devenu un port des plus importants. Lusignan est le grenier de nos terres, et Ardghul est le centre de cette dernière, là où tout est dirigé. Creil est notre lien commercial avec l'Empire, et Mercel avec notre nouvel allié, le Catel. Nous sommes envahis par la richesse, et avec l'or et l'argent que nous envoyons en Bretonnie, nous sommes assurés de renforts et de ressources. Nous sommes sûrement le duché le plus riche et le plus étendu du royaume de Bretagne. Cependant, nos terres ne sont pas sécurisées pour autant. Les démons de la mer des guerres continuent à saccager nos terres. Notre duc a donc choisi d'assaillir leur cité temple et ainsi sécuriser la route de Mercel. C'est ainsi qu'Avillion fut fondé. Sur le pont d'Avillion. Alors, a priori, le démon qui dominait cette ville avait une tête de lion. J'ai demandé des explications, car je dois avouer que j'ai eu beau chercher. Aucun lion ne vit dans ces jungles. Cependant, la guerre avec ces démons assoiffés de sang ne s'arrête pas là. Et continue, jusqu'à la ville désormais nommée Val-Lance. Cette campagne a été meurtrière, et nos armées s'en trouvent affaiblies. C'est mon heure. Je me dirige à Val-Lance afin de remplacer les hommes perdus, avec tous les soldats et chevaliers fraîchement arrivés sur le continent. J'en profite pour accompagner tous les paysans nécessaires pour peupler Val-Lance. C'est pire que je le pensais. Albéric de Bordelot et Pierre Lamoureux sont tous deux blessés. Et nombreux de mes anciens compagnons sont tombés au combat. Je les pleure comme il se doit, puis je prends la tête de notre nouvelle armée. Je profite de ma pause spirituelle afin d'envoyer de nombreux éclaireurs, afin de savoir où je mènerai ma campagne. C'est alors que j'apprends que juste au sud de Val-Lance, l'existence de deux choses. Une forêt aux propriétés magiques et une ville gigantesque remplie d'or. C'est décidé, nous partirons vers le sud. Je ne me lance cependant pas tout de suite dans cette jungle luxuriante, dont certains disent que c'est sûrement le jardin de la dame, mais vers la cité d'or. Toutes deux étant occupées par les dragons orques, je pense que la prise de la ville nous permettrait de s'assurer de la sécurité de nos terres. Il nous a fallu plusieurs jours pour atteindre la cité. Et, bon sang, le pari en valait le coup. La cité est d'or et d'ivoire, et aux fondations de marbre. Elle devait bien être deux fois plus grande que celle de Mercel ou de Lusignan. Afin de ne pas faire d'erreur, nous nous sommes reposés, et avons préparé de quoi ouvrir facilement les murs. Aucun dragon gobelin ne semblait nous avoir repérés, car des festivités sortaient de la ville pour résonner dans la jungle. Cela dura toute la nuit. Le lendemain, aux premières heures, nous avons lancé les hostilités. Les créatures semblaient surprises de notre présence. Leur première action, alors que leurs murs se faisaient cribler de rochers, a alors été de nous envoyer un dragon cuirassé. Il a certes brisé nos lignes. Mais, moi et nos chevaliers, nous n'avons pas tardé à le faire fuir, et finalement à Auxir la bête, qui avait été criblée de flèches par nos chasseurs. Tout ne fut pas si rose. Alors que nous tenions les murs, un bataillon de lanciers fut dévoré par une charge de dragons orques, qui chevauchaient des dragons coureurs.
De nombreux chevaliers ont dû être envoyés afin de mettre fin au harcèlement des dragons coureurs. Certains de nos chasseurs et ingénieurs ont failli se faire dévorer. Notre entrée, en dehors de ces problèmes, fut simple. Les dragons orques, bien que courageux, étaient en sous-nombre, et nous avions facilement l'avantage. Nous sommes allés prendre la colline ouest, où s'étaient réfugiés des dragons gobelins. Mais si un chaman de ces villes créatures n'était pas apparu, la victoire aurait été simple. Ce dernier fit chuter une comète sur nous et fit souffler des vents violents. Pendant que ses confrères, eux, en profitaient perchés sur leurs barricades pour nous cribler de javelots. Mais la résistance ne fut que de courte durée. Nous avons alors atteint le centre de la cité où des dragons orques imposants étaient réfugiés. Alors que moi et mes compagnons chargions les dragons orques, le chaman réapparut et fit fuir l'arrière-garde. Nous nous retrouvions alors encerclés et submergés. Lorsque nous étions sur le point de quitter ce monde, j'ai réussi à faire une percée, suivi de mes compagnons. Nous avons alors vaillamment défendu nos compagnons jusqu'à l'orée de la jungle. Je jetai alors un dernier regard sur les dragons orques qui avaient mis fin à la vie de tant de mes frères. Et c'est ainsi que se termine le dernier chapitre que nous ayons réussi à obtenir de la chronique de notre frère Hugues. Turis Vigilance la garde précieusement, et même si elle est tellement abîmée par le sang de son écrivain qu'elle est à peine lisible, cela reste une relique inestimable. Pour votre fils, Mathias, nous ignorons ce qui lui est arrivé. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que notre très cher duc, Albéric de Bordelot, a été rapatrié sans lui. Y a-t-il autre chose que nous puissions faire pour vous aider, monseigneur ?